mais chaud. Oh, petite vidéo retour là, sur le pad button, là, ça fait vraiment que j'ai pas fait de vidéo. Bah, d'une, parce que j'avais pas. J'avais pas hyper envie. J'avais pas grand chose à dire et à faire sur le pad button. Et parce que j'ai eu un souci avec mon ordi. J'ai eu pour 678€ de réparation. La carte mère apparemment qui était foutue en fait. Quand je démarrais l'ordi, ça bloquait à la barre de chargement du démarrage. Donc bon. Bon là on est sur YouTube Gaming. Enfin c'est un peu le filtre gaming de YouTube. Donc c'est plus sympa pour la chaîne. Pour ceux que ça intéresse de voir leur chaîne son gaming. Bon, comme ça on peut voir entièrement la photo que j'avais faite pour la couverture. Avec les 6 mid-cross des surprises des chevaliers d'or. Verseau, bébé, cancer, gémeaux, poisson, capricorne. Et puis quelques de mes mangas derrière. Bon, la photo elle date un peu, donc j'ai d'autres mangas là par-dessus les dégramas. Hein. Et par-dessus les. C'est un ex dimension, j'en ai acheté d'autres. D'ailleurs, il y en a que j'ai même pas vu parce que j'ai arrêté. C'est un ex dimension. Je crois que les 3 ou 4 derniers que j'avais acheté, je les avais même pas vus. Et comme ça coûte 10€ le manga, je crois que j'ai arrêté. Simplement. Et j'ai fini les épisodes G. J'en suis aux épisodes G Assassin. Je crois qu'il y en a 7 tomes qui sont sortis. Je les ai tous achetés, tous lus. Ouais, l'épisode G, c'est la préférée. Que franchement il transcende la série je trouve. Enfin bon bref, je vais vous parler de ça. Voilà vite fait le filtre le gaming. Pour ceux que ça intéresse donc. Donc je disais, Dokkan Battle. Aujourd'hui de toute façon c'est juste un petit éveil que je vais faire, Dokkan. L'éveil Dokkan est un perso que j'aime beaucoup, que j'ai depuis longtemps. Un de mes premiers persos colossaux, si c'est pas le premier. J'ai bien nommé notre cher Badak Super Saiyan Super Tech. Bon, je l'ai pas entièrement SP10. En sachant qu'on peut le SP10 avec les Badak AJ SR qu'on peut choper. J'en ai pas. Ceux que j'avais, je les ai utilisés forcément pour augmenter sa SP. En sachant que je suis plus très loin. Il y aura encore 50 médailles à acheter, une ceinture de champion à acheter pour passer mon. Comment s'appelle ? Où est-ce qu'il est ? Ouais, voilà. Mon Mister Satan arrière. Ouais, j'en ai 22 sur 70. En sachant que c'est 1 million la ceinture et qu'il y en a 3 par jour qu'on peut acheter. Et qu'en ce moment, il n'y a plus l'événement de Satan pour former les ennemis. Il est juste le week-end ou peut-être le lundi et le mardi aussi, je sais pas. Et mon C17-C18 que je farme les médailles, dont je farme les médailles aussi pour le passer LR. Donc j'avais fini les médailles. C'est quoi qui s'est écrit là? Les frais en transformation du Majin. Et le. Putain, c'est quelque chose petit, j'arrive pas à dire. Enfin, l'empereur doré quoi. Les médailles de Golden Freezer. Après, il faudra que je refarme les médailles de au-delà du divin, le secret suprême. C'est-à-dire du Jubai Kaioken Super Saiyan Blue. Hier, j'avais commencé celle du héros de l'espoir, le Goten qui se. Tech, enfin Super Tech CJ3. Il faudra que je reforme totalement celle du. Végétaux, super végétaux. Donc bref, c'est parti pour la Badak, il y a pas de Badak, même si comme je dis, je les spé que 4, mais bon. Les Badak machin, je les chope pas tout le temps, même s'il y avait un portail qui pouvait facilement les dropper. J'ai pas non plus une rampe DS quoi. J'en ai utilisé pour certains portails, mais j'en ai plus. Donc je m'étais recréé un nouveau compte. Pendant que j'avais plus mon ordi. Je suis déjà niveau
50, je sais pas combien. 53 ou 54, je sais plus. Bref, c'est parti pour l'éveil d'Open. Attention, ça va être sympa. Ah non, j'ai plus d'argent. Ah mais non. Non. Je fais la vidéo pour rien. Sérieusement. Non. Non, 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 non. Ah, j'ai pas d'argent. Je suis pauvre. Non, enfin, trois moyens. Ah ouais. Ça, c'était pas prévu, ça. Ah, j'avais pas regardé. Moi, le méga IP, on a commencé déjà avec le matin. Je vais vendre le perso qui va rapporter le plus. Ah, il va rapporter bien passé. Et quoi que si, ouais, bon, je vais le garder. Celui qui a rapporté le plus, c'est les deux coups. J'en ai vendu un, tu vois. Il rapporte beaucoup, beaucoup. Mais bon, l'événement, c'est vraiment du bon. Donc ça fait chier de le vendre, mais j'ai pas le choix. Bon, alors, non, alors, ça attend, ça fait chier. C'est cool, hein. Allez, ah ouais, quand même. Ah, mais j'en ai besoin aussi, quand il faudra que je rentre. Baby Vegeta, ici, là. À 100%. Dans le jeu. Merde. Lequel j'ai fait? Les zombies, je peux faire. Tant pis. De toute façon, j'en ai droppé que deux. De plus. Ouais. Je crois que j'avais veillé en même temps. Il me semble. Je sais plus. Il me semblait que j'avais veillé. Voilà, il est là. J'avais attaque spé max. Donc les autres c'était juste pour le potentiel de mot. Alors ça peut faire un petit peu. Pour le vent. Pas le choix. Pas le choix. Ça ne fait rien. Donc je disais l'éveil du bataille super guerrier. Super Saiyan. C'est parti. Aussi pour le vrai. Ah, il a la classe. Franchement, il a la classe. Alors, j'ai pas vu si son aptitude leader a augmenté, mais je pense que ouais. Je crois pas que c'était 60, plus 70%. Du coup, il est venu cool sur mon petit univers. Évidemment, on attend toujours celle du beau jeta CJ4. Aptitude leader bientôt disponible. Alors, Namco Bandai et nous, je crois qu'on n'a pas la même définition du mot bientôt. Alors, ça fait 4 mois qu'ils te disent bientôt disponible. Il y a un peu du foutage de gueule. Bref, j'ai les deux plans de toute façon, j'ai SP9. J'ai pas potentiel 100%, mais de toute manière, j'en avais droppé qu'un, je crois. Qu'un, j'ai pas de doublon. Et comme j'ai déjà dit dans une précédente vidéo, de toute façon, avant que je redrop, lui, il peut s'en passer une. Ça. Donc, où est-ce qu'il y a le Goku. Lapsus, hein, parce que Madame, hein, c'est un clone de Goku, on est d'accord. Voilà. Bon, il bloque toujours l'attaque spéciale, forcément. Attitude passive, découpe, éclair, change de sphère de type puits en sphère de type tech, attaque plus 40%. Alors, l'attaque plus 40%, je sais plus si c'était à ce niveau-là quand il était pas de panne. Mais il change de type, les sphères de type puits en sphère de type tech, c'était déjà le cas.
Ça n'a pas changé. Ouais, voilà. Donc il est classe. Il était le même, il est encore plus. On va l'entraîner un petit peu. Les adversaires. Ah ben voilà, en plus j'ai une planète de Kaioshin. Tout. Le monde niveau déjà 90. Donc déjà, la classe. Krishna! Je sais pas s'il est déjà plus puissant que quand on joue d'automne. J'ai pas fait gaffe à 108 de ses stats. Enfin bon, voilà. C'est une vidéo d'automne pour les règles de Madak Super Saiyan. Super Saiyan. Super Tech. Parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo d'Oken et de vidéo tout court. Sur ce, les gens. J'allais dire un ciao. Et à la prochaine.